Bonsoir et bienvenue pour suivre nos bulletins de nouvelles pour ce jeudi le 18 novembre. Nous démarrons avec un bon grand titre. Et c'est ces lois liées à Adeline qui ont trouvé mort Johannesburg, Sud-Afrique. L'Assemblée nationale inonde son approbation le mérite des principes généraux budget 2022 et budget pour plus de 10 billions et 91 millions de roupies. 18 membres de l'Assemblée inondent d'autres supports et tenant 7 votes contre. Président Wavelrom Kalawan, accompagné par la délégation qui tient le vice-président, ministre responsable pour la paix et ministre pour l'investissement, l'entrepreneuriat et l'industrie, il fait une visite officielle pralin lundi aujourd'hui. Premier bateau croisière français quitte port Victoria aujourd'hui après un an et demi d'absence qui marque un nouveau progrès dans le relancement de l'industrie tourisme ici. Toujours de nouvelles, le Bureau statistique national, NBS, peut faire l'exercice en préparation pour le recensement national 2022. C'est l'exercice y en qui s'aille pour capable de m'assurer l'information générale. Nous commençons le bulletin avec une nouvelle nous fait apprendre qui est Simone Ingoy arrêté en connexion avec un cas qui Commission anticorruption et CCS peut faire l'enquête là-dedans. SBC a contacté SCCS et il dit que pour le moment, il n'a pas pour faire commentaire. Nous avons aussi contacté UNIT dans la police qui fait l'enquête de crimes financiers, FCIU. Nous avons dit qu'il n'est pas au courant de ce cas. Il a confirmé qu'un citoyen Cécile lié à Adeline il a trouvé mort Johannesburg, Sud-Afrique. C'est le département des affaires étrangères qui a et que la police qui confirme ça. Un communiqué du département étranger dit qu'hier, la police Sud-Afrique s'est formé bureau au commissaire Cécile Pretoria, Sud-Afrique, le lendemain, Madame Adeline. D'après l'information, le site web Community Crime Watch Sud-Afrique, dernière fois que Simone s'y trouve Madame Adeline, c'est les 17 mois passés. Et d'après un journal Sud-Afrique, Simone t'y voit aller comme Madame Adeline au bord un semaine le 22 mois passé. Et sa journal y ajouté que Madame Adeline est probablement mort après qu'il ait tapé derrière son tête avec un golf club. Mais tout ça le temps, personne n'a pas été capable d'identifier son corps. Et alors, j'ai aussi ce qu'il porterait et les autres informations pour essayer d'identifier lui. La police CCL, le département des affaires étrangères, dit que c'est un membre de la famille Prost. Maman Madame Adeline qui ne fait qu'identifier les corps. Il y en a un peu de temps que Madame Adeline s'est restée à Benoni, Johannesburg, Sud-Afrique, et son maman aussi s'est restée là-bas. L'enquête peut continuer pour qu'on la cause et circonstances de la mort Madame Adeline. Département des affaires étrangères dit que bureau au commissaire CCL Sud-Afrique est en contact avec la famille et des masses peut faire pour amener les corps Madame Lia Adeline CCL. L'Assemblée nationale inonde son approbation le mérite et principe général budget 2022 qui ministre pour finance Nadi Hassan t'y présenté les 12 samois. Ça y est budget pour plus que 10 billions et 91 millions roupies. 18 membres de l'Assemblée t'y donnent son support et tenant 7 votes contre. Avant de prendre sa vote, ministre Nadi Hassan t'y passe en revue sa débat l'obité depuis mardi. Depuis bien le commencement, ministre pour Finance Nadi Hassan t'y exprime son désappointement total par la position qui partie l'opposition US inadoptée pendant sa débat. Ministre Hassan indique que pourtant, les gouvernements LDS s'y arrivent au pouvoir, ça qu'ils ont t'y voient t'y tracassant. Et bien, même US et l'opposition en général insistent qu'ils ont t'y livré des dépenses, ça qui pays n'a pas. Le 4 janvier 2021, après tout, bonne la fête festivité, nous sommes en train de travailler. Je suis gagné un coup de téléphone sorti du gouverneur, la Banque centrale, Madame Caroline Abel. C'est fort moi qui le compte que le gouvernement y en a avec sa institution, c'est dans 14,9 millions de roupies là-dedans. Ça compte, Monsieur Speaker, il a servi pour faire tout paiement au gouvernement. Monsieur Speaker, avec une telle nouvelle, qui m'a dit le gouvernement pour continuer sa même trajectoire? Nous n'avons pas besoin d'un scientiste pour répondre à sa question. Alors, décision et action si besoin de prendre. Ça plus qu'un billion roupies l'argent est fait fort d'IA, l'argent que le gouvernement n'a pas et si besoin de le prêter avec la banque commerciale, le marché domestique. Nous avons une contraction économique 9,9% en 2020.
plus gros contraction qui nous paye des arricordés dans son histoire. Et des gouvernements qui sorti 58% par rive, 92,2% GDP. Ministre Hassan ti déplore sa qui ti appel en latitude négative d'un côté l'opposition, y ajoute ki bidye entier y gagne critiqué, mais sa qui l'opposition pas mentionne dit tout c'est ban programme progressive qui nanan de sa bidye 2022. Ministre Hassan ti ajoute ki un an après ki nouveau gouvernement il arrive au pouvoir, l'économie pays peut sortir d'une catastrophe et ça même si encore bien difficile pour ti pays dans sa tourment économique qui ancien l'administration in quitte avec zote. Il dit ki ti nécessaire pour reconstruire fondation sa pays. Zote peut faire li dans une façon résilient pour empêcher ki demain Cécile il tombe dans une même gros difficulté qu'il a dans aujourd'hui. Pour conclure, moi, je l'ai dit avec tous ces lois, qui s'habitent 2022, yen, qui conservateur, à cause de la situation mondiale, surtout en ce qui concerne sa pandémie COVID-19, il y a encore certains. Nous voyons, par exemple, qu'il y a certains pays d'Europe qui ont réintroduit le lockdown. Alors, nous avons besoin de rester prudents. Pareil, mon tout le temps dit, nous pas out of the woods yet. Ça s'habitent 2022, puis aussi assurer que le gouvernement ait créé ça qui nous appelle un buffer. Pour que nous ne partons encore dans aucun trou financier, les situations deviennent difficiles. Ça veut dire 2022, il y a un qui peut mettre l'emphase sur le service qui secteur service public y délivré. Nous ne pouvons pas tolérer aucun bande qui parle de travail ou bande qui veut faire politique de travail. Mais plus important, le budget 2022 peut établir une fondation pour créer l'opportunité pour tous ces lois qui ont envie de débrouiller. Sa transformation économique qui nous paye, puis elle passe à travers, il y a un qui nous pour besoin, tous nos enfants pour faire vivre une réalité et un succès. Et plus bonheur aujourd'hui, bon MNE qui continue les autres débats, le sabitier, Paris, le fait depuis mardi, l'Assemblée pour continuer le travail, le mercredi prochain, ça y pour les autres entrées dans ce comité pour discuter le budget, bon différents ministères et départements, un après l'autre. L'Assemblée pour aussi joindre lundi et mardi pour finir cet travail qui est le programme pour sa trimestre. Président Wevel Rumkalawan il fait une visite officielle pralin aujourd'hui. Il est accompagné par vice-président Ahmed Afif, ministre désigné qui est aussi responsable pour l'APIS, Jean-François Ferrari, et ministre pour l'investissement, l'entrepreneuriat et l'industrie, Devika Vidotta. Parmi l'endroit qui délégation présidentielle s'y visitait, il plissait l'office gouvernement qui est basé dans le bâtiment fonds pension Grand Anse côte là-bas, il cause avec bon staff et qu'on bon problème qu'ils ont fait face avec pralin. Président tu aussi visite Côte d'Or pour voir situation là-bas et gagner une idée le bon plan qu'il en a pour ça l'endroit. Il tu aussi visite trois projets, ça il nouveau port passagé Bissetane, projet Ice Plant Bissetane même et Grand Anse. Après pralin, président à la digue. À la fin de son visite, président Rumkalawan dit incapable de voir le développement de sa ville après un beau péloton qui passe là-bas. En même temps aussi, je pense que visite dans le département gouvernement ou bien parastatal, ici le pralin et le ladig. So, bon matin, premièrement, nous allons visiter le stade, côté mon gars est présent avec une pétition. À cause d'une pétition, c'est parce que développement stade tin gagne garantie par gouvernement avant et il en a bande monde qui ti resté là qui gagne demandé pour sortir mais là soudain les autres qui pour dire il y en a un développement qui peut arriver un développement commercial et mon gagne sa pétition et là mon capable dire qui même avant qui mon gagne sa pétition les temps ban habitants tin fait mon au courant qui pour dire il y en a tel développement mon tin fini cause planning pour moi dire il y en a un l'engagement en ce qui concerne le développement sport, l'eau pralin, qui peut aussi couvrir la digue, alors ce développement n'est pas capable de continuer. Donc, nous mettons sa pétition devant le cabinet et après, nous allons prendre une décision appropriée. Après ça, nous aussi visitons tout le département, gouvernement, en bas d'un pension fund. Par exemple, nous visitons PMC, LWM et tout mon département social et tout. Et c'était pour mon écouter mon travail, pour mon regarder quoi qu'ils ont expérimenté
et qui m'a dit gouvernement est capable de rentrer pour assister les autres. Et mon besoin dit que mon vie félicite bon travailleur parce que mon gagné l'accueil salaire ensemble avec vice-président et designated minister et ministre Vidot et j'ai une beaucoup causé pour expliquer qui difficulté qu'ils ont pu gagner, qui bon challenges qu'ils ont droit, mais ça qui est plus important c'est la façon qui à travers notre dévotion qui m'aide nous capable bouger devant. Et nous prenons plus de détails sur sa visite président avec son délégation dans un prochain bulletin. Le district tourisme a gagné un nouveau souffle avec l'ouverture saison bateau croisière après un an et demi l'absence à qualité bateau à cause pandémie COVID-19. Le Ponant est premier bateau croisière français pour quitter port aujourd'hui avec passagers. Ça y est, bonne nouvelle pour l'industrie principale, Cécile. Départ bateau croisière Le Ponant de Port Victoria, il marque un nouveau départ pour l'industrie tourisme français ici Cécile. Il y a pour 200 passagers qui ont embarqué pour découvrir la beauté de Banzil. Pour Bernadette qui peut faire sa voyage avec son compagnon, c'est un moment qui fait lui plaisir. Ben aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, mais sinon c'est le soleil, la mer bleue, les tortues et les petits requins, les bébés requins. Un souvenir. Voilà. Et sur le Ponant, quelles images vous gardez? Oh ben écoutez, beaucoup de luxe, beaucoup d'attention, très bonne nourriture également. Et un voyage organisé à la perfection, dans tous les sens du terme. Sa saison bateau croisière qui nous reprend, il y a une bonne nouvelle pour l'industrie du tourisme en général et particulièrement pour les sens entre la France et Cécile. Ministre pour le tourisme et les affaires étrangères, Sylvestre Radegrand, et ambassadeur de la France, Dominique Ramas, qui est présent pour sa grand départ. Quand il y a plusieurs mois, il nous manque bout de sa business. Et là, il y a un commencement. Et pareil ouais, nous voulons commencer avec un petit bateau, avec des gens, quantité de gens à bord limitée. Et une bonne condition, c'est que les gens sont vaccinés. Tout ça, les gens qui montent à bord là, ils ont fait un test PCR. Donc, il est bien. Et après, en plus, ce bateau, c'est un bateau qui peut rester dans des OCCL pour des 3 semaines. Donc, il peut faire les tours dans les îles. Et ça, il y a une possibilité pour contribuer plus dans l'économie. Si ça ben, par exemple si tout le yal pralin écladig bandig ou ben pralinois il prend l'occasion il prend ça l'opportunité vous autres regardez quoi qu'ils sont capables gagner avec sa ben passager ça ben dimon vous êtes arrivé il y en a plusieurs jours vous autres là vous êtes dans l'hôtel vous sortez dans l'hôtel ça ben dimon so ici ben dimon va y bénéficier par accommodation. Nous avons derrière nous un exemple de tourisme durable. Et ça, c'est très important. On sort de la COP26, on a beaucoup parlé de changement climatique. Voilà derrière moi un tourisme qui est durable, avec des bateaux qui sont économes en fuel, qui sont peu polluants, et avec un tourisme, je dirais, responsable. Et c'est ce qui peut nous intéresser, parce que je crois que l'avenir du tourisme séchellois est justement à travers ces croisières. En 2019, la France, c'est le deuxième pays qui a plus de touristes qui viennent chez Cécile. Et aujourd'hui, le quatrième. Mais avec le retour Air France, l'ouverture de l'hôtel Club Med et 18 voyages à bateau croisière de sa 6 mois qui est venu, la France respecte et reprend son position. Plusieurs fermiers officiers donnant Bureau statistique national NBS qui commence l'exercice en préparation recensement l'année prochaine. NBS peut faire ça l'exercice pour tester son questionnaire et les autres quelque chose qui peut servir dans ça l'exercice national. Et dans ça l'exercice qui parle pour 4 jours dans le district en Soupin seulement et Bureau statistique peut demander coopération au gouvernement public. C'est dans le district en Soupin qui NBS a choisi pour faire ça l'exercice en préparation pour recensement. Dernier recensement population s'est fait en 2010. Commissionnaire bureau statistique Elena Bidley Payette il dit qu'il saute pied en masse dans l'information générale. Recensement population, nous au fait de deux recensements ensemble. Là, où il y a une population, après il y a un lac, un foyer. Il y a un pays, un grand pays, pays l'Afrique, ils ont fait ça séparément. Nous type, si nous pouvons combattre tous les deux ensemble. Okay. So, nous permet l'information, l'eau de la population, en termes de détails démographiques, pour nous mettre à jour, c'est la liste qui nous a comme population.
non mas détail par qui là ok mas combien femmes combien hommes combien enfants ben différents translases nous guetter qui conditions de rester là-dedans l'information de l'éducation l'emploi en conditions sociales ben différentes choses nous avons des nouveaux topics aussi qui nous peut introduire par nous connaît bureau statistique il y a mas l'information pour pays, pour donner gouvernement avec les autres parties prenantes pour faire décision, pour faire autres planifications, ainsi de suite. Madame Budley Payette puis encourage tout le monde pour prendre part dans sa recensement qui est l'exercice en bas la loi. Nous pas faire force du monde, c'est nous dire qu'il faut faire bas la loi. Mon besoin dit seulement vous dire la plupart dit nous gagnons une bonne coopération avec du monde. Une bonne coopération avec du monde, mais seulement nous gagnons des du monde de temps en temps qui quoi vous dit ça y est option. Le recensement n'est pas une option, le recensement est l'obligation. Seulement, nous ne pouvons pas demander aux sauvages, nous devons bien pour participer avec nous. Ça, l'exercice recensement peut gagner l'assistance avec UNFPA, United Nations Population Fund. Docteur Odek, il dit qu'ils ont donné l'assistance technique de bon recensement qui bon pays continent l'Afrique. Il fait. From this particular exercise, we expect to generate very useful data for national planning purposes. Apart from just giving us the actual count of the population, we'll also know the other characteristics of the population around such factors as level of education, economic activities, gender distribution, and even the geographic distribution of the population itself. That kind of data is very important for development purposes in all sectors, including education, health, and even infrastructure planning and development. Plusieurs fermiers et officiers gouvernement ils suivaient l'atelier de l'utilisation biotechnologie dans l'agriculture pour réduire l'effet changement climat. Ça l'atelier est en partenariat avec l'ambassade américaine ici Cécile. L'effet changement climat peut gagner voir tout autour dans le monde. Cécile aussi pas l'exception. Les rougeons de la côte, mauvais temps qui pas l'habitude, l'inondation, niveau de la mer qui montait. Il s'est parmi qui souvent de fois cessait l'expérimenter. Mais par exemple, là, l'agriculture, il y a un secteur qui de plus en plus peut être affecté avec le changement climat. En ce moment, le pays peut expérimenter un temps sec qui peut persister sa bonne dernière semaine. Ça, pendant les temps qui cessait, il d'habitude gagne assez la pluie. Le département de l'agriculture a justement organisé un atelier en partenariat avec l'ambassade américaine pour cesser l'introduction de biotechnologie pour réduire l'effet changement climat dans ce secteur. Biotechnologie est un processus d'exploitation, un système biologique et micro-organismes pour produire la tisane et manger tel qu'il dit pain que l'élevain y gagne servi. Examples of this include plant breeding, animal breeding, fermentation by microorganisms to produce food and so on. And we have a wide range of techniques, some that have been around for hundreds or thousands of years and some that are more recent. Secrétaire principal pour l'agriculture Kevin Nancy, il dit que l'introduction biotechnologie est capable de réduire l'effet adverse sur l'agriculture. L'agriculture a différents adverses conditions qui affectent l'agriculture, et le changement climatique, les maladies et en servant biotechnologie ou capable de résoudre différents adverse effects. Mais c'est par contre, la biotechnologie vient avec des autres quelque chose qui ont besoin d'une hiérarchie en place, ou besoin d'une structure en place pour capable de briser la biotechnologie. La biotechnologie, dans le sens, c'est qui manière ou capable de faire une production, c'est une technologie moderne qui entre là-dedans. Il s'est aussi ajouté que toute entité concernée a besoin de travailler ensemble pour implémenter un bon plan pour servir la biotechnologie. Nous avons une association fermière, nous avons une policy makers. Nous devons travailler ensemble pour nous mettre une bonne policy en masse. Par exemple, on a un différent protocole qui pourrait nous aider avec un nouveau produit biotechnologique qui est entré. On a besoin de faire ce qui est sa sensitization, awareness et education. On a une forme publique là-bas dehors qui sa nouveau biotechnologie pour mener, qui se peut consommer. Demain, il y a la journée internationale pour bonnes sommes et parmi bonnes activités qui le département de la famille organise, il y a un débat le valet bonnes sommes des temps enfants, si tout bon garçon, peut élever. Débat fait avec le bureau SNYC en ville et à part de bonnes experts sortis du département de la famille, c'est aussi on a les autres représentants et les bonnes madames sortis côté différents les autres agences.
Des hommes y donnent autre l'opinion, le rôle des hommes pour aider, élèves et élever bons enfants et zen dans la société. Si vous petit, encore petit, vous élevez, depuis que vous êtes petit, vous dites bonjour, pas faire ça, ça ne peut faire pas bien, il écoute tout. Il peut grandir bien, lui. Et tu as un peu blanc, mais comme il a l'alcool, l'eau, la cigarette, demain, il a fait des hommes. On demande aux hommes pour assiser, réfléchir. Le demain, dans le futur, qui n'a pas venu, qui aux enfants n'ont pas venu, ou qui a un papa qui peut arriver tous les jours, un soula, aux enfants peuvent tout, qui les besoin pour faire pour les enfants. Et justement, pour marquer la journée internationale Bonnes Hommes demain, le département de la famille organise un débat, le valet Bonnes Hommes pour élever et élever bonnes enfants, si tout bon garçon. Raison principale pour ce débat, c'est pour autre façon pour adresser bon défi social qui peut continuer à augmenter si tout bon défi associé avec comportement bon garçon. Bon participant et quoi, qui beaucoup sa bon défi, y a un résultat manque présence active et positive un papa de la vie bon garçon l'état de grandir. Sans mon rôle model, il y a une massive responsabilité. Rôle model, ça veut dire mon peu de bout de devant, mon peu de dire que mon boy, get mon comme un exemple. Alors, si ça dit, si sa parent, papa veut sa rôle, il y a un média social, il y a un film qui pour modèle libre. Qui a cité nous la ZNCCL, he look at nos leaders that have paid. He said, "I want to become like him." Nathalie Didon, un officier dans le département de la famille, il souhaitait que bonnes hommes, c'est tout bon papa, ils jouent un plus grand rôle dans la vie bonnes jeunes garçons. Nous voir pour dire dans sa décalage entre bonnes filles et bonnes garçons, que nous peut voir nos bonnes garçons peut faire bon différents dilemmes en thème peut voler, peut casser la case, etc. peut involve de drogue. Et maman pas advocate qui bon papa out there, nous mérite un bon support adéquat pour nous capables élever nos familles. Par contre, Jimmy Petros, un psychologue, il refait sortir bonne tendance vis-à-vis masculinité qui en a un impact le développement bon zen garçon. Les un garçon, il n'est un garçon. Nous avec ce garçon, il apprécie son masculinité. Il ne pas demande son gender, il ne demande son sexe. This is ce qu'il y était. Et pour ça, on nous cultive ça et demande qui a été men, par exemple, pour venir. Parce qu'on voit, pour dire maleness, il y a quelque chose biologique, manhood, il y a un choix qu'on fait pour prendre responsabilité dans la vie. Secrétaire principal pour la famille dit qu'ils ont pu mettre en place un programme que d'autres poils veillent bonnes hommes ou l'espèce bonnes hommes viennent que d'autres pour réamener sa balance côté de plus hommes qui jouent un rôle plus positif de la vie des bonnes enfants, c'est tout, bonnes garçons. Ça veut dire qu'il est dérégé ou pas qu'à tourner l'oreille encore. So this is exactly what we are doing. Gagne un pôle papa qui ban un rôle modèle et travaille avec les autres papas qui ont sorti l'oreille, remise de l'oreille, qui nous impacte la vie, nos bonnes zènes. Et pour la journée internationale de bonnes hommes demain, le 19 novembre, ministre Lazines Sport et la famille indique qu'il thème salonné meilleure relation des hommes et des femmes, il permet de nous réfléchir sur l'importance de faire plus l'espace pour camarades et une meilleure relation entre les deux groupes. Et il demande bonnes hommes et femmes pour parler de différences biologiques. C'est pas nous. CCL a besoin de plus de modèles et de dirigeants hommes dans la communauté. Et le ministère de la Famille, la Zénith Export, il reste sincère, engagé pour supporter aucune initiative positive qui aucune organisation dirigée par bonnes hommes fait. C'est le ministre pour la Famille, la Zénith Export, qui dit ça des messages pour commémorer la Journée internationale bonnes hommes qui démêle le 19 novembre. Ministre Marie-Céline Diallo indique qu'il thème salonné meilleure relation entre hommes et femmes, il permet de nous réfléchir sur l'importance de faire plus l'espace pour camarades et en a une meilleure relation entre les deux groupes. Il dit qu'il trop beaucoup de temps nous laisse différence biologique sépare nous au lieu amène nous plus proche avec camarades et qui bien être fit si bonne famille dépend beaucoup de la force sa lien entre hommes et femmes dans nos communautés et qui trop beaucoup fois nos bons enfants ils souffrent si ça cause bons hommes et bonnes femmes dans toute la vie. Ils refusaient faire ce travail pour avoir une bonne relation et camarades.
Toujours dans son message, ministre Diallo a applaudi et célébré l'accomplissement et contribution bon zom CCLOI dans notre travail, dans notre famille, communauté et dans pays. Et une demande bon dirigeant de la société pour aider transforme nos communautés, pour faire vivre une plus en sécurité et joyer pour sa génération et les autres encore qui pour venir. 18 zènes l'opralène suivent un cours formation pour donner autres plus bagages pour le travail. Un cours offert par l'Institut Guy Morel en partenariat avec le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales. Ça, c'est un cours formation 3 semaines. Ça, c'est le premier programme que l'Institut Guy Morel fait l'opralène. Sa programme qui déjà commencé le mai, il y en a pour bi en cadre bon zen qui finit S5 ou soit qui pend réussi à le post secondaire. En bas programme Skills Development Department d'emploi, sa bon zen est placé dans différents endroits de travail, qu'on peut apprendre et gagner certains bagages qui peuvent être gagner un travail. Et sa formation avec l'Institut Guy Morel y est l'autre composant de sa programme. Directeur de l'Institut Guy Morel, Sheila Mohedin, indique qu'à cause COVID-19, c'est un retard pour commencer sa training l'opralin. Mais si on parle tout le temps, le programme pour nous venir, nous sommes capables de venir l'année passée, mais seulement à cause de l'état COVID, nous avons eu l'île. Et seulement, ça l'année, ça groupe, nous premier cohorte qui nous peut faire. Et nous voyons qui. Les temps, on peut faire sa placement, sa internship. Il y en a certains skills qu'ils ont besoin pour être capables d'adapter dans le monde de travail. Et sa training, il a développé pour provide avec sa skills qu'ils ont besoin, mais aussi pas des skills pour adapter, mais aussi pour être capable de faire sa transformation from étudiant pour être capable de faire un bon travailleur. Côté département de l'emploi, directeur général promotion de l'emploi, Letimi Doukli, indique qu'ils ont gagné beaucoup de monde avec bon employeur pour gagner bonne zen et que sa formation IN qui a aidé plus bien préparer sa bonne zen pour le monde travail. Il y a une bonne organisation qui paraît, qui peut call l'office pour demander nous si nous n'avons pas zen, qu'ils ont compté dans le training là-dedans. Et aussi, pour ce qui est développement de programme, il y a des conditions, on va quota, on va l'accompagner. Après, si vous parlez pour prendre étranger, vous avez aussi capable de parler pour prendre SSLOI, pour traîner. Pour ça, raison nous pouvons faire ce programme pour notre cadre sa bonne et pour faire ce qui employé il donne sens, train et nous bonne zen pour entrer dans l'emploi. À la fin de ce programme, qui est allé pour 3 semaines, bon participant qui gagne un certificat pendant une cérémonie qui est assistée par le ministre pour l'Emploi et les Affaires sociales, Patricia Francourt. Ministre Francourt, il félicite sa bonne zen et donne autres certains mots d'encouragement. À travers ce programme, j'ai un sens pour développer notre personnalité, mais j'ai développé notre personnellement aussi et un niveau qui est vraiment professionnel. Pour que bien commence sa nouvelle étape dans notre la vie, que vous puissiez entrer ou bien vous déjà dans le monde travail. Bon participant de l'autre côté, il bien apprécié sa cour. Ça va être chantier excellent. Mon apprend beaucoup qui dans la vie besoin achieve quelque chose qui vous vraiment envie et think outside the box. Pas si je pense pour là, mais pense plus loin. Et si vous avez vu vivre une vraie, il faut travailler et on a beaucoup confié dans l'école. À l'occasion de la journée universelle des enfants, pour la première fois, présent Waverly Calawan, pour joindre avec un groupe d'enfants State House pour un dialogue présidentiel qui pour passe en direct demain, vendredi le 19 novembre, à partir de 10h bon matin, le SBCN. Et c'est avec sa nouvelle qui nous arrive à la fin de sa bulletin pour tantôt. Donc, un petit moment, vous êtes capable de suivre Nouvelle Sports. Merci pour qu'il suive le bulletin et passez une soirée agréable pour suivre la récente programme, le SBC.